Bruno Marchal, équitation naturelle et éthologique à Montpellier. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment un cheval, ou en plus exactement deux chevaux dans cette vidéo, peuvent réagir différemment en fonction du cavalier. Alors j'ai utilisé pour cette vidéo les stagiaires de Cap Avenir. Cap Avenir, c'est une formation financée par le Conseil régional Occitanie, donc qui permettent à des personnes de trouver, après un accident de parcours par exemple, de retrouver un emploi, une situation, un axe de vie, etc. Et donc, comme vous le savez, un jour par semaine, j'amène ces personnes avec travailler avec les chevaux pour travailler sur eux-mêmes. Voilà, donc aujourd'hui j'ai deux vidéos avec deux chevaux, une canne, une petite Camargue Illustrado, un étalon espagnol, et vous allez voir qu'en fonction des personnes, leur comportement peut changer dans le travail en liberté, et je vous commente derrière ce qui va pas, de façon à ce que vous puissiez vous-même vous retrouver des fois dans les difficultés quand vous commencez le travail en liberté. Allez, je vous laisse voir ces vidéos. Alors, David va faire le même exercice avec Ulcan. On a vu qu'Ulcan essayait de prendre le leadership en se mettant au milieu. Et on va voir un autre candidat qui n'a jamais fait cet exercice-là, David. Et vous voyez que l'énergie de la jument n'est plus du tout la même. En quelques secondes. Derrière. Voilà, si vous voulez que votre jument avance, il faut mettre la jument dans la main gauche. Voilà. Et là, tu peux taper. Faire comme une raquette de tennis, c'est toujours derrière. Non, devant, tu vas la stopper. Tape le sol. Comme si tu lui tapais. Tape. Donc là, on voit les gestes. Donc voilà la jument qui est perdue par rapport à nos codes. Allez. Et donc, changement d'énergie, la jument broute. Non. Là. Elle sait plus. Allez, viens. Non. Donc la jument ne comprend pas, ou du moins elle comprend bien, puisque David a tapé devant, donc elle a fait demi-tour. Donc la jument lui dit « je veux bien collaborer », David ne comprend pas encore le geste, et il demande de repartir. Donc elle ne peut pas pour l'instant faire confiance à son leader, puisque le leader ne comprend pas le geste du cheval. Allez, on l'a fait bouger encore. Allez, on y va. Non, change. On va faire derrière elle. Allez. Voilà, donc l'intonation de voix est importante, le « aller » est une invitation, le « aller » est un ordre. C'est pas très, très sympathique ouais. Avec moi quand même. C'est ça. Non, ça n'a rien à voir avec de la sympathie, c'est juste que tes ordres ne sont pas forcément clairs. C'est vrai. Du coup, bah, essayons en arabe. Alors elle fait exactement ce que tu lui demandes. Comme c'est brouillon, ben, elle reste là. Tout à l'heure, tu as tapé devant elle a fait demi-tour. Donc elle fait ce que tu lui demandes. Toujours derrière elle. Toujours. Voilà, allez, vas-y. Allez. Claque par terre, voilà. Allez. Mets-toi un peu dans l'énergie, voilà. Allez. Et tu vois que ça marche déjà mieux. Non, vas-y, insiste. Voilà. Encore. Impose-toi, David. Voilà, la différence de comportement de la même jument à 5 minutes d'intervalle avec deux leaders différents. Allez. Bonjour. Je vais y mettre le nez. Hein. Je suis patient, fais attention. Allez. Voilà. Voilà, très bien. Et galop. Super, c'est mieux. Allez. Voilà. Voilà, tu vas la bloquer, elle va revenir vers toi. Regarde-moi, elle va revenir vers toi, elle dira j'ai compris. Et là, tu vas poser ta chambrière et l'accueillir. Voilà, accueille. Pose ta chambrière, elle va venir. Pose ta chambrière. Voilà, regarde. Allez, tu te déplaces jusqu'à elle et tu vas caresser son front. Allez, avec un peu plus d'énergie. Et là, tu vas faire un claquement de langue pour stimuler son système nerveux et elle va te suivre. Voilà. On fait une technique de drague. Voilà, donc on voit que lorsqu'on emploie les bons gestes, la jument, obligatoirement, se fait confiance à son instinct et au cavalier. Non, c'est en dessous. Là-dessous, oui. C'est fini. On se met juste dans le. Allez, le patient. Tu passes aussi, c'est te mettre de l'autre côté comme ça, tu vois. Ah, il va en chercher un autre, c'est ça. Ah oui, il va chercher le rôle. Oh putain, regarde.
Ouais, t'as raison. Bon, maintenant ça va flotter un peu plus. Je veux que tu viennes un peu plus quand même, à mon avis, plus tôt. On a vu que mon cheval, il est tout ça, il est tout ça, et tout. C'est trop bien, il écoute, hein. Ouais. C'est quoi la balle, bah, énorme matin, énorme matin. C'est un chat, hein. C'est ton propre chat, ton propre chien. Des fois, t'as des réactions un peu bizarres. Ça va, c'est chelou. Il va chercher la même là. Quand les gamins, ça la même chose. C'est mieux comme ça que les idées des anciens qui restaient toutes leurs vies. Malheureusement, c'est comme ça. Ils ont été trop à l'extrême. Voilà. Ça, il y a 10 ans. Ça va être marrant, quand il y a. Essayer d'avoir une maison, des conditions, des choses comme ça, ben, ça ne s'arrive pas. Oui, c'est bizarre. Maintenant, les gens, ils ont plus de repères. Ils ont plus de repères. Ah non, vous avez été toutes les deux ce matin. Oui, avec Ultrado, oui. Illustrado. Illustrado, ouais, je crois. Illustrado, je crois. Il m'a dit Illustrado. Ouais, il me semble que c'est Illustrado. Illustrado, c'est ça. Illustrado. Illustrado, ouais, c'est ça. Et nous, on a eu Rimpo. Et du coup, vous allez pas en rechercher un autre. Qui? Rimpo, il va chercher Rimpo. Rinpoche. Rinpoche. Ah bah, Rinpoche. Là, on va voir Rimpo. Hein, allez, Rimpo. Celui qui était là avant, c'était lequel? Comment il s'appelle, le blanc, là? Lucan. Ulcer. Non, pas Ulcer, non. Lucan. Voilà, Lucan. Là aussi, nous sommes plus même les Français qu'on était gamins. Du coup, elle a fait un salto arrière. Un peu, mais après elle est remontée, on a marché. Moi j'ai monté la chute aussi. Il y a des montagnes. En Irlande, Ça, c'est comment il s'appelle celui-là? Illustrado. Voilà. Simplement, c'est espagnol, du coup, en Espagne. Ouais. Bon, mon gars. Oui, je suis au concert de Patrick. Oui. Merci beaucoup. Bon, allez. On y retourne dans l'arène? Ouais. Ah, moi je veux bien y aller, mais il y en a d'autres devant. Moi aussi, mais il y en a plein qui n'ont pas fait. Oui, c'est dommage. Bah alors, deux qui ne sont pas allés, après on passe au travail à pied, où tout le monde fonctionnera aussi. Allez. Ouais, ça se décide. Alors? Ça y est, il y a quelqu'un. Bon, allez, j'y vais. Allez. Ah. Parce que les hommes veulent pas y aller. Thierry, allez. Voilà. Il est Il y a Thierry. Il vient au dressage. Il y a Thierry. Ah, mais Thierry, putain. Ah, Thierry. Bombe le torse. Courage Thierry! On t'aime bien! La façon qu'il te regarde déjà. En arabe Thierry! Tu lui feras un cas au cheval. Parce que quoi? Là, il va paniquer du coup. Allez, hop! Bravo Thierry! Ouais, bien Thierry, allez, plus fort! Allez! On a Thierry avec. Pourquoi il fait ça? Cher. Pourquoi il fait ça? Hier, ça regarde, c'est de l'air, c'est la donne 20, ah ouais. D'accord. Voilà, c'est le. Voilà, allez, attends. Recule chose, Thierry, recule. Là, tu pourras pas l'attraper. Viens vers nous, Thierry. Vite. Viens vers nous. Voilà. Si tu veux l'arrêter, te faut venir l'opposer. Le leader va l'opposer. Le dominant essaye de le pécho avec la canne à pêche. Ça fera un peu de mal. Allez, hop. Allez. Au galop, allez! Hop! Allez! Il écoute bien, lui! Allez, tente-moi la connexion. Là, elle pose tout, il va venir. Laisse-le venir, caresse entre les deux yeux, il babille, tout va bien. Voilà.
ne va pas fort. Allez, claquement, tu vas partir à ta main gauche, en direction de tes fesses, en direction de tes fesses, claquement de langue, en direction de tes fesses. Va vers ses fesses, va à ses fesses. Appelle-le. Non, appelle-le, claquement de langue. T'hésites trop, il te suit pas. Oui, vas-y, pars, il va te suivre. Voilà. Si vous avez confiance en vous, il vous suivra. Lustrado. Lustrado, allez. Oh. Oh, tu le fatigues. Il est fatigué. Il s'en fout royalement de ce que tu lui dis, Thierry. Il a fatigué. Allez, Lustrado. Ouais, il est piqué. Voilà, ça sert à rien de se laver, hein. Allez, shit. Allez, bien. Allez, remets-le en mouvement maintenant. Reprends ta chambrière. Laisse-le se recoucher, ça c'est pas grave. Et après, tu le remets en mouvement. Michette. Et puis en même temps, les bestioles. Ben, allez, on y va, tout de suite, c'est toi le patron. Hop. Allez, au galop. Allez. Tape fort, au galop par terre. Allez, au galop. Hop. Allez. Il y a une vielle. C'est bon, allez, va venir. Pose ta chambrière. Il faut toujours poser sa chambrière, parce que si on ne pose pas sa chambrière, il croit qu'on lui demande de travailler. On caresse. Et confiance en toi, Thierry. Caresse entre les deux yeux. Là, tu le fais à demi. Et allez, on part. Claquement de langue. En confiance, lâche-le. Il va te suivre. Très bien. Voilà. Il mâchouille, il est détendu avec toi, c'est parfait. Arrête-toi. Tu caresses. Et tu le passes à un autre. Bravo. Il y en a un que j'ai vu tout à l'heure, je sais pas, c'est vert, les oreilles... Ouais, c'est lui aussi d'habitude, là je vais le refaire ce soir, c'est parce qu'il craignait les moustiques, il a fait des insectes en général. Et donc tu vois, lui je ne l'ai pas couvert entre midi et deux, il est déjà plein de... Plein de lui et je crois qu'il avait une maladie ou un truc... Non, c'est qu'il y a des chevaux qui ont peur de la... D'accord. Qui ont peur des insectes. D'ailleurs ce matin, les humains, on a vu qu'il avait des petits qui étaient toutes... Parce que la couverture n'est pas efficace dessous. Alors, toujours Illustrado avec Arima cette fois. Donc Arima qui est beaucoup plus maman du coup. Donc son geste est répétitif. Donc, change ton geste, il est trop répétitif. Change quelque chose, voilà. Claquement de langue si tu veux qu'il aille au galop. Allez, vas-y, galop. Il y a un manque de conviction, Arima. C'est un étalon, il faut que tu sois convaincante avec lui. Non mais, allez, mon pied, c'est pas un coussin. Gueule dessus. Allez, sans t'énerver, mais avec de l'autorité. Allez, on y va. Il a perdu le nom. Allez, fais-le changer de direction déjà, ça te fera quelque chose. Viens vers nous, Karima, viens vers nous. Toujours à l'opposé du cheval. Regarde. Vas-y, viens, regarde le cheval, la magie. Allez. Pose ta chambrière, il est venu vers toi. Là, il te dit j'ai compris, toi tu dis j'ai pas compris que t'as compris. Dès qu'il vient vers toi, tu lâches ta chambrière. Et là, elle va dire ah, elle est intelligente, elle comprend le langage du cheval. Donc je la suis. Là, sinon, elle dit elle comprend rien, parle pas la langue cheval. Allez, vas-y. Fais-le bouger un peu, et dès qu'il va venir vers toi, tu poses ta chambrière. Non, là, reprends ta chambrière là. Là, elle vient pas vers toi. Voilà, très bien, Karima. Voilà, stimule-le avec la langue. Voilà, très bien. C'est bien. Non, t'es à l'envers là. Pas de revers, voilà. Faut que j'envoie des idées, tellement. C'est bien. Super. Alors, tu vas poser ta chambrière et reculer un petit peu, il va venir. Ouais, tu roules en Twingo, toi, tu fais du bruit, quoi. Ah oui, ça c'est du bruit. Voilà. Le contrôle technique, il va venir, t'inquiète pas. Super. Hauteur française. Voilà, va en face là-bas pour l'arrêter. Voilà, il va s'arrêter quand il va te voir changer de direction. Regarde-le à lui, pas nous. C'est lui qui est beau, nous on n'est pas beau. Voilà. Caresse entre les deux yeux. Confiance en toi, claquement de dents et tu pars. Claquement de langue. Il va te suivre, vas-y. Voilà. Super, Karima. Il mange les oreilles. Génial. Voilà. Super. Ouais, bien. Allez, bravo. Bien, Karima. Bravo. Ouais. Allez, t'as ton cheval.
Voilà, j'espère que ces vidéos de travail en liberté vous auront apporté quelque chose, que vous êtes reconnu dedans, pardon. Donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, ben, partagez-la. Mettez un pouce bleu pour que YouTube puisse référencer cette vidéo, que peut-être d'autres personnes tombent dessus et soient aidées. Posez vos questions en commentaire, comme d'habitude, j'y réponds. Abonnez-vous à cette chaîne ici, c'est important. Pour que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos, et vous avez d'autres vidéos à voir ici. C'était Bruno Marchal, équitation éthologique, par Skype, par téléphone ou en face à face dans la région de Montpellier, et je vous dis à très bientôt.